Eh bien salut à tous, à toutes, c'est Nardoc et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Wofru sur The Legend of Zelda, The Minish Cap. Faut que j'arrête de lire ce titre, hein, il est beaucoup trop long, hein, c'est pas cool. Donc bref, on s'est arrêté au Marais Tamantin, hein, juste à l'entrée, puis on avait récupéré les bottes de Pégase. Hein. Puis voilà quoi. De toute façon, sans les bottes de Pégase, on n'aurait pas pu rentrer dans le marais. Foutu serpent. Voilà. Donc si je me rappelle bien, le marais de Tavanta, il est pas très chiant. Enfin, je crois. Ah, un piège, hein, évidemment. Ah tiens, déjà. Ce trésor à son gardien, il n'a pas l'air commode en plus. Un des premiers non, pas soldat. Ça c'est un chevalier blanc, c'est un White Knight. Pourquoi je. Déjà? C'est rapide, hein. Ah bah, fragment du bonheur et. Fragment du bonheur, il est là. Voilà. Vous pouvez voir qu'il est spécial, hein. Il est jaune avec une forme assez space. Hein. Vous allez savoir pourquoi. Vous allez surtout voir pourquoi. Si je me rappelle bien, on a besoin de 3 fragments jaunes comme ça pour passer. Hein. Vous allez voir où. Bon, je ferai mieux de garder mes bottes de Pégase. Hein. Bon, ça aurait été plus pratique en volant. Enfin, pour voler plutôt. On se cache dans les hautes herbes, sans forêt. Parce que là, on court un peu comme un débile. Hein. Oh, pas eux. Je me rappelle, ils sont chiants. Je me rappelle plus. Comment ils prennent vie. On s'en fout. Encore un mojo hein, caché. Ah, ça c'est fait. J'aimerais bien te vendre des flèches, mais tu as même pas d'arc. Ah, c'est bête, hein. Ce sera un peu con ça. Pas de fumée sans feu. Voilà, ça c'est fait. La chance va peut-être nous sourire. Bah, j'espère. Qu'est-ce que nous avons là? Ah, dans la forêt de Tiloria, petit passage. On ira voir à l'occasion, hein, si j'oublie pas, mais comme je suis con, je vais oublier. Tout à fait. C'est une bonne combinaison, là, bien encore la chance. Jamais pour toi, hein, c'est bête. On va voir ce qu'il y a par là-bas. Je vois. Un passage miniche. Ah bah d'ailleurs, on est obligé. Va oublier. Bref. Faut utiliser le petit pot magique. Hein. On va faire une putain de charge. Youhou! Ah, c'est pas très. Ah, ça aussi, ça va, c'est assez rapide. Oh putain, les fleurs pour me faire chier, quoi. Yeah. Non, en fait, c'est nul. Ça prend trop de temps. Mais putain. Fleur exprès pour nous faire chier. Hein. Mais pourquoi je suis tombé? Il est un peu con, Link. Hein. Allons-y. Non, je suis venu pour cette merde. Mais bon. Quand on connaît Zelda, on sait qu'il y a une récompense à la clé. Hein. Oh bah tiens. Je m'y attendais pas. Bah tant mieux, j'ai envie de dire. Mon équipement préféré, je crois, dans Zelda, hein, l'arc. Ouais, mais il est pas très joli. Hein. Je préfère l'arc de lumière. Hein. Oh, spoil! C'est pas vraiment grave. Hein. Après, quand on connaît un minimum Zelda, on sait qu'il y a un arc, hein, quelque part. Hein. Tous les Zelda, il y a un arc, quoi. C'est pas l'arme principale quoi, mais voilà quoi. Voilà, maintenant, normalement les statues de pierre seront animées, hein, si je dis pas de conneries. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? On peut pas encore y aller. Encore les bottes de Pégase. Hein. Ouais, on peut pas aller dans les passages miniches, hein. Pas encore du moins. Ah là, normalement là, elle va s'animer. Ah non, bizarre. Non, c'est vrai, faut d'abord
me faire rager un peu. Tiens. Oh merde, encore une fois. Non, je suis là. Hein. You. Tiens. C'est normal, voilà, il nous donne des flèches. Hein. Vous avez 3 et 5 flèches rangées dans votre car, quoi. Toujours pratique. Hein. J'ai besoin de cœur, s'il vous plaît. Oui, je l'enlève sur lui, il va me faire chier. Faut aller à gauche, je pense. Ouais. Hop là. Dégage. Ah, un cœur. Ça fait plaisir, on va dire. Tiens. Non, évite ça. Tiens, je vois plus. Voilà, en dessous, vous pouvez voir les trois grosses pierres. Hein. En fait, c'est les statues, je crois. C'est par là qu'il faudra faire un assemblage avec les fragments jaunes. Ça, par contre, je sais plus ce que c'est. Ah, il faut le pousser. Oui, c'est vrai. Oh, c'est gentil. 3 sur 4. Yeah. Malgré ce corps vieillissant, je reste le meilleur épéiste d'Hyrule. Je m'appelle Teishin, premier du nom. L'entraînement dans mon dojo est incomparablement supérieur aux autres. Mais, il n'y a pas encore trop de temps. Mais non. Bon. Ok, j'en ai 3. Ouais, c'est pas super. Moi, je sais pas si je fais le jeu à 100%. Si je compte le faire à 100%, faudra pas que j'oublie ces petites subtilités. Bref. Voilà. Oups. Ah, ça c'est fait. Enfoiré, il essaie de m'avoir. Encore une stèle. On peut que les ailes vont t'accompagner, blablabla. Oui, ça t'a effrayé. Hein. Voilà, comme d'hab. Encore une statue un peu. Qui fait un peu flipper. Hein. Tiens. Trop lent. Cette statue me fait froid dans le dos. Non, un drôle d'œil. Ha ha ha. Voilà, petit raccourci. Là. Mais. Peur. Ah bah tiens, déjà le deuxième. Plus qu'un. On va voir. Non, c'est pas possible ici. Oui, j'ai pas fait attention, mais non, il y a rien au fond là-bas. Donc le, oh, il est chaud là. Faut trouver le dernier. Ah, peut-être que là. Tiens. Et encore. Et encore. Et un dernier. Ouf, j'ai eu chaud là. Pourtant, je sais plus s'ils font beaucoup de dégâts ou pas. Là, même pour ces petits centimètres, on est obligé de prendre les balles de Pégase, sinon on tombe comme un con et on se fait aspirer comme un con. Et voilà. Tout simplement. Mais bon, ça c'est que le début. Hein. Par contre, j'ai vu un truc. Ah bah non. On peut pas encore nager. Donc on peut pas y accéder. Oui, on s'en fout. Non, descend pas. Je ne sais plus. Si, en fait, je devais y aller. Faut que je rejoigne les statues d'avant. Oh merde.
On va prendre la tornade. Hein. Oui, ça fait un peu con. Allez, on va prendre la tornade, on va faire un petit voyage. En avant. Comment on a ce coffre là? Passons par là. À mon avis, faut être. Oh. Oh. Je crois que j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit. Je pensais qu'il fallait être. Qu'il fallait être mini-niche et savoir nager. Enfin, savoir nager. Avoir des palmes plutôt. Voilà, ce con est bloqué. Ouais, il va. Non, c'est bon, je l'ai esquivé. Tel un PGM. Voilà. À moi le coffre. Que coffre. Oh putain. Ouf. Ça, je m'y attendais, enfoiré. Non, 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 non. Je m'y attendais. C'est bon, ça me les a remboursés largement. Oh putain. Oh putain, le radin. Je déteste. Bon, ça va, j'ai gagné le triple de ce qu'il m'a pris. Je sais pas, il a dû me prendre 10 rubis, un truc comme ça, j'ai pas fait attention. Ah, mais putain, le fourme, quoi. Tiens, t'es puni. Donc là, on va rejoindre les statues. Merde. Même pas fait gaffe. Voilà. Salut, toi. On fait un assemblage? Cool. Ravi que tu sois d'accord. Voilà, avec une étrange statue. Ouais, c'est vrai, elle est bizarre quand même. Franchement, il y a juste la pierre au fond qui se brise alors que le sol il subit rien du tout. Ah, les joies de Zelda. Voilà, encore un coup. Ouais, fais un assemblage avec une statue inconnue. Et voilà. Magnifique, on peut passer. Ruine du vent. Oulala. Une petite bonbon, ben. Une bebon, hein. Voilà. Encore un fragment, décidément. Hein. Je préfère les rubis, merde. Oh non, pas eux. Il me semble pas qu'on peut les battre comme ça. Je sais plus. J'ai plus grand souvenir de par le boss. Si, voilà, là on peut. Enfin, non, là c'est pas pour le battre. Il y a un truc pas logique là. Si ça c'est son œil, alors qu'on rentre devant, sur son bouclier, c'est devant quoi. Et on rentre dans son œil. Ça veut dire que son œil sera derrière, pourtant il est devant. Enfin bref. Allez, c'est bon, attaque-moi, j'ai peur, oulala. Dégage, arrête de danser. Un voilà, petit raccourci, comme ça on n'aura pas besoin de se faire chier à le faire. Ou un fragment. La chance d'en trouver un dans les hautes. Toujours mieux qu'un Pokémon. Hein. Là, il y a forcément un truc. Hein. Ah merde, je peux l'esquiver quoi. Ah non? Ah non, bah ça sera pendant un... Oh, est-ce qu'on peut passer là? Parce qu'il y a des lianes. Ça fait... Ouais, je disais, ce sera forcément pendant un assemblage. Hein. Comme par exemple ça, hein, c'est un rico magique, j'ai envie de dire. Putain, mais quelle chance quoi. Oh, toi, tu rentres dans la terre, c'est bien. Dégage. Là le serpent il ferait qu'une bouchée de nous quoi. Oh, je sais pas que les hautes herbes elles restaient une fois qu'on les avait coupées. J'aurais dû les couper, merde. Non les gars, je t'aime pas.
Je vais pas servir de snake à un snake. Snake. Rien à voir. Un snake. Pas un snake. Allez, casse-toi. Non, non, je suis pas. Dégage. Non, je suis pas comestible. Non. Oh bah tiens. Je savais pas ça. Bah maintenant je le sais. Enfin je savais pas. Je m'en rappelle plus plutôt. Ouais. Alors on va faire l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, hein, puisque ce bâtard il vient nous faire chier. D'ailleurs on va le faire pour tous, hein. Ça sera tranquille. Enfin, je sais pas si ça va marcher avec eux. Parce que l'autre on est un peu obligé. Mais les deux statues là-bas qui bloquent le chemin, elles m'intriguent. Ouais, si, c'est bien, mais ça m'intrigue. Peut-être en tuant trois statues, je sais pas. Ça m'intrigue maintenant. Oh. D'accord, pourquoi pas. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste désactiver celle-là. J'ai tué les trois autres, hein, pour voir pour les statues, là. Mais tu vas crever, oui. Fourré. Ouais, bah, à mon avis, c'est ça. Je vois pas d'autre moyen pour... mais... Pour les deux statues, là. Allez. Mais je peux pas le toucher. Ouais, j'ai bien fait. J'ai bien fait. J'aurais raté un truc, quoi. Ah, putain. Oh, putain. Oh merde, déjà. Ah, j'ai pas envie d'ouvrir, alors. Ouais, ce sera le coffre secret qu'on ouvrira plus tard, alors. Si je l'oublie pas. Là, les roches sont piégées, hein, je suis sûr. Ces deux-là, voilà. Non, juste un. Juste un bébé. Ah, oh, je suis obligé de tuer les serpents. D'ailleurs, c'était nul ce que je viens de dire. J'espère que ça s'est pas entendu. Et pourquoi c'est fermé? Il doit avoir encore un mob. Voilà, enfoiré. En plus, il me touche, quoi. Nickel, nickel.